Bonjour tout le monde, c'est Iti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Motel Manager Simulator. Hop. Et donc, on va faire notre chambre. Et ensuite, on va louer tout. Alors, attends. Parce qu'il y a plein de choses à faire en fait, avant. On m'avait demandé... Oh, ça, c'est trop cool. Directement par rapport à l'entrepôt. Ça, c'est très cool. On va agrandir tout ça, on va faire les choses bien. Good job. Et ouais, on m'a dit qu'il faudrait peut-être prendre une autre caisse bientôt. Je suis d'accord. Je vais finir de remplir et tout, et je suis d'accord. 144. 124. On va voir pour la pub. Thank you. Ok. Du coup, là, puis... Alors, attends, j'ouvre les portes pour dire que c'est vide. Ah, la 4 n'est pas vide. La 6. Oh, la vache. Pourtant, il y a une poubelle. C'est quoi, ce... C'est les gens... Ok, on va la laisser travailler. La 8. Ah oui, c'est vrai que j'avais acheté la 9. Ok. Il m'a dit que vous aimiez beaucoup la. Enfin, il y en a un qui aime beaucoup la chambre 8, donc je suis content. Du coup, on va faire la salle de bain. On va prendre pareil des choses dont on a besoin. Ah ouais, punaise. Attends. Voilà. Comment qu'on a fait ça, c'est quoi? Ok, vas-y, on va prendre. Ça c'est quoi? Non. 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 J'ai pas de mur? Non, j'ai que du sol. Ah non, j'ai un mur. Et un plafond, j'en ai pas du tout. Alors on va prendre de la peinture blanche. Hein. Ouais. Alors... La salle de bain, elle va être correcte, je pense. Ah, quoique, peut-être pas, non? Peut-être que niveau mur, on va galérer. Et on n'a pas beaucoup de murs, donc... Ouais, attends, je vais pas... Non. Il me reste du bleu. Voilà. Elle est spéciale aussi. attends. Je peux jeter là au fond ou pas? Ah ouais, ok. J'ai peut-être vu, ouais. Non, c'était parce que... Bon, je peux jeter le... Le rouge, vu qu'il en reste que deux. Ok, alors, maintenant. Bon, j'ai pas de... Comment ça s'appelle ? J'ai pas de... Amazing.
J'ai pas de meubles en trop, pour le coup. Great. Donc, donc je vais tout commander. Gestion personnelle. Entretien ménager. Qu'elle mette les trucs dans les chambres. Donc ça c'est bon. Chambre 8. Genre la chambre 6 c'est bon quoi. Ouais voilà. Chambre livraison. Alors lit pour la chambre 8. On va prendre celui-là. Drap de lit, il y en a, mais bon, au cas où, on va prendre celui-là. Couverture. Oreiller. J'ai envie de prendre des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire, on va dire. Pour faire une chambre vraiment très étrange. Non, les portes, non. Ça, par contre, je laisse en, comme ça et comme ça. Plafonnier. J'en ai pas mis des comme ça. On va prendre comme ça pour la pièce principale. Et un comme ça pour la salle de bain. Baignoire. On va prendre comme ça. Hein. Lavabo. Après, je cherche les bonus. Hein, donc. Toilette. Prendre celle-là pour changer. Chauffage. Rideau. On peut mettre des rideaux moches si vous voulez. Attends. Parfait ça. Et on va mettre. Oh oui, ceux-là ils sont moches. Parfait. Siège. On va prendre. Oh ça. C'est tricoloré comme. Comme la. Un truc lampe de salle, donc celle-là, table. Alors, on va prendre celle-là pour changer, puis on va prendre celle-là. Non, celle-là, on va prendre ça et ça. Bureau, vas-y, on va en prendre un aussi. On va prendre ça. Placard, on va prendre celui-là. Tiroir, prendre. Non, pas celui-là. On va prendre deux comme ça. Ah ouais, mince, top. Il y a trop de choses. Voilà. Et bonjour. Tu es en chambre 4? Ok. Ok. Ah bah le camion il est déjà là. Parfait. Et c'est à minuit que les pubs tombent ou c'est plus tard? Ok, c'est plus tôt même. Ok. Je vais. Ouais, si. Allez. Tu vois? Ah, j'ai envie d'éternuer. L'envie s'est fait sentir. Alors, tac, tac. Enfin, il est sorti plutôt. Tac, tac, tac.
Ok. Ah, désolé, crise d'éternuement. Et ça devrait aller là. Ok. Voilà. Hop, X. Terminé la maison. Bureau encore. Moi j'ai toutes les chambres vides du coup là. That'll do. Yes, je vais pouvoir tous les louer après. Toutes les louer. Et t'es comment la chambre 7? Ah oui, c'était la chambre noire et blanche. Enfin, la sorte de chambre noire et blanche. Ok. Allez, c'est parti pour la chambre 8. Comment qu'on place ça? Waouh. Bon, attends, on va essayer de faire un truc sympa quand même. On va mettre ça là. Ok. Drap de lit. On va mettre les chelous. Couverture, on va mettre celle-là. Très étrange. Oreiller. On va mettre les... Et c'est pas mal, hein. C'est très coloré. Porte, oui. Plafonnier. Oh, il est tout petit. Okay. Ah, j'en avais mis un. Ah, mais il y en a un déjà. Oh, bah, c'est pas grave, on fera deux. Baignoire, oui. On va la placer. Lavabo. Oui. Serviette. Ah, j'ai pas pris les accessoires. Ouais. On va les prendre après. Toilette. Ok. Chauffage. Ok. Rideau. Les rideaux moches. Ah, je peux en mettre plusieurs des rideaux. J'avais pas vu. Donc on va prendre un autre rideau après. J'en ai un rideau là. Oh, il m'en faut un autre. Un rideau là. lampe de salle, oui. Mets ça là. Il y a de la place. Hein. Table. Alors, on va mettre ça comme ça. Bureau. On va le mettre là. Placard, il n'y en a pas. Tiroir, hop. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. Le sofa. Sofa, je le mets. Je le mets où? Je vais mettre là. Comme ça, je peux regarder la télé là. Ouais. Voilà. Ok, on va continuer à faire les achats. Je vais récupérer l'argent s'il y en a et je vais manger un peu. Thank you. You are lightning fast. Ah ouais, d'accord, ça nourrit pas l'eau. Ok. That'll do. Okay.
Je pense que je vais engager quelqu'un pour faire le nettoyage. Ouais. Voilà, première, je m'en fiche. Evelyne, tu vas nettoyer tout. Voilà. Et toi, du coup, vu que l'entretien est fait, tu vas t'occuper de l'entrepôt. Pardon, on reste là. Alors, du coup, livraison, on en était où? Rideau, on va en prendre un autre comme ça, parce qu'on va en prendre un autre. Siège, il nous faut un petit siège de bureau. Est-ce qu'il y a un siège tout moche? Ah, celui-là, il est pas terrible. Allez. On va mettre la petite lampe sur le bureau, il est pas mal celui-là. La table, ok. Le placard, donc on veut celui-là. Voilà. Bureau, c'est fait. Placard, c'est fait. Tiroir, on va en prendre deux comme ça. Électrique. Vas-y, on va prendre celle-là et celle-là. La cafetière, bien sûr. Le micro-ondes, bien sûr. Le frigo. On va prendre un gros frigo, tiens. On va faire le gros bof. On va prendre ça, ainsi que la grosse télé. Voilà, tapis. Alors, oh oui, tiens, le tapis là, il est parfait. Et on va prendre celui-là pour la salle de bain. Ok. Titulaire. Alors là, titulaire. Je sais pas quoi prendre. On va prendre celui-là. Et ça. Attends, close hunger. Je sais pas trop c'est quoi. Vas-y, on va le prendre. Article de toilette, on a tout normalement. Accessoires. Alors, on va prendre ça, ça. On va prendre deux miroirs. Un et deux. On va prendre de la décoration. Alors, un de chaque. On va prendre deux petites plantes. Deux. On va prendre trois cadres. Des trucs bien colorés. Et qui veulent rien représenter. Enfin ça. Poster, poster. Ouais mais ça. Et puis ouais ça. Ça. Bon et statue, pas la peine. Hiver. Prise et poubelle, voilà. Allez, et du coup on m'a demandé aussi gestion par rapport à tarif par rapport au carburant, mais il est là, voilà. Donc je suis à 1,60. 93%, c'est beaucoup. Alors, regarde, je peux essayer de mettre à 1,65, mais ça diminue beaucoup encore. Mais je crois que je suis au max. Là. Enfin, après, ils vont dire oh, il est trop cher, non, 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 blablabla. Ok. 3007. On va livrer un peu de carburant. Hop. Il nous reste 2008. Fais voir ce qu'il nous reste en mise à niveau. Non, trop cher. Chambre d'hôtel. Un distributeur de carburant. Ouais, ça voudrait dire qu'il me faudrait. Ok. Combien? 6 employés maximum. Donc si je mets la troisième pompe, il me faudra donc un autre employé. Combien d'employés j'ai? 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faut que j'augmente la salle du personnel. Il me faut 3500 $. Ok. Ok.
Oui, ils sont en train de tout mettre. Parfait. On va aller les mettre. Tac, tac, tac. Ah, je peux pas mettre les plantes. Ok. Bon, bah, on va le mettre, hein. Désolé. Je vais mettre maintenant. Ça va faire un aller-retour. Mais c'est pas grave. La plante, on va la mettre... on va la mettre là. Et c'est quoi que j'ai dans les mains? Ah oui, ça. Ok. Et papier toilette, là. T'as rien mis, là? Ah ouais, non. Je vais dire de s'occuper de... du machin. Gestion personnelle. Entrepôt. Entretien ménager. Voilà. Comme ça, elle va mettre les trucs. Ça va être sympa. Ça va être mieux. Du coup, tac, 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 tac. Ok. Quoi, je peux pas. Ok, je peux pas mettre en carton. Du coup, on va prendre tout ça et puis on va les mettre là-bas. Alors. Un super tableau qu'on va mettre ici. Une petite lampe. Oh non, dommage, on peut pas les mettre sur les... sur le bureau. Enfin, là... Ça, on va le mettre... on va le mettre là. Ah, on peut pas... Ah bon, on va le mettre... Non, là, je veux le love, là. On va mettre ça là. Ça... On va mettre ça là. Dis-moi qu'on peut le mettre... Oui, on peut le mettre sur le bureau. Parfait. Elle fait quoi, elle... Elle met les produits dans le mag ou pas? Ou faut que j'aille en acheter? Peut-être qu'elle a pas tout. Voilà. S'il y a des produits. Au pire, j'en achèterai vite fait. Alors, ensuite, donc, le pied, on va le mettre là. Le love, on le met là. Ça, genre là. Ça, la poubelle, hop. Là, et le tapis, ici. On continue, alors. Drap, couverture, non. Ah si, la serviette. Attends, non. D'abord, titulaire, on met ça. Comme ça. Et ça, comme ça. Pour accrocher les vêtements. Du coup, la serviette. Une belle serviette rose. Voilà. Le papier toilette. Un beau papier toilette. Comme ça. Ok. Ensuite. Ça, c'est bon. Le rideau. Le rideau, je peux en mettre un autre ici. vous rigolez, alors sans déconner, vous rigolez, mais la chambre, je la trouve vraiment jolie. Je la trouve belle, clairement. Mais je m'attendais pas à ça. Hein. Le plaque. Oh, il est immense. On va mettre là. Ok, attends. On va changer la plante. Ah ouais, j'aime bien. Bureau, placard, tiroir. Donc là, on met de l'autre côté. Électrique. Alors, c'est là qu'on va rigoler. On va mettre un frigo. On va mettre un frigo là. Frigo immense. Je sais pas ce qu'il fait là, mais on va le mettre là. Ça. On va mettre derrière. Voilà. L'air conditionné. C'est comment? C'est comme ça? Ouais. La machine à café. Le toaster.
Le micro-ondes. Tu sais que je suis un micro-ondes, moi. Est-ce que ça fait comme chez lui? Je peux mettre comme ça? Ouais, voilà. Et j'ai vu des gens faire ça, donc... ça, on met là. J'ai mis l'air conditionné dans la chambre 7. Yes. Électrique. La télé. Là. Un miroir. Là. Un autre miroir à l'entrée pour voir si tout va bien. Un réveil là. Et une horloge au-dessus. Attends, on est d'accord qu'il est censé mettre les articles de toilette, mes mères, non? Chambre. Il n'y a que la neuf qui est pas prête. 170$. Elle est pas bien chère. Qu'est-ce qui manque? Max atteint, ok. Non branché. Ah oui, c'est vrai, il faut non brancher. Il n'y a pas les produits, t'attends quoi? Ah, peut-être que... Oh, ok, peut-être un peu lente. Punaise, c'est quoi ça? Les prises, vous les avez mises où, s'il vous plaît? Vous les voyez, les prises? Je sais que j'en ai commandé. Je sais que j'en ai commandé. J'en ai commandé. Les prises, les prises. Cool. Cool. Have a nice day. Je le vois pas. Je dois en recommander parce que je les vois pas là. Il y a moyen de chercher les objets plus rapidement. C'est une petite boîte. Petite boîte là, non. Petite boîte. Non. Non, pas là. Je les ai pas laissés dans le camion. Je vais en commander. Oh! J'ai cru que c'était un voleur. Pourquoi je l'ai pris? Je vais commander des prises avec des produits ménagers. Du coup. Équipement, accessoires de toilette, voilà. Pour faire le plein. Et puis des prises, quoi. Des prises qui sont pas là, mais dans divers, je crois. Voilà. Ok. En rapide. Comme on dit. Voilà. J'ai de la pub à ramasser ou quoi? Bien sûr. Bah, hé.
Du coup, mise à niveau. Salle du personnel, mise à niveau. Voilà. Du coup, maintenant, pour ça, il me faut 1600. Ça marche. Je pense que je vais pouvoir le faire là. Le camion de livraison arrive là. Hop, ça faut enlever. Wow. Ok. Peut-être regarder aussi si je peux pas poser plus de pubs. Alors je vais piquer les deux cartons de machin là pour aller les mettre là-bas. Pour pas qu'ils les touchent. Parce que je sais pas où ils ont mis. Tududu. Donnez-moi. Prise. Attends. Elles sont où tes prises? Ah mais elles sont où les prises? Elles sont là, ok. Ça je prends. Non! Attends. Tu les as mis où? Montre-moi. Montre-moi que tu vas les mettre où. Ok, les amis là. On n'y touche pas, ce sont mes prises. Personne n'y touche. Hop. Ah, punaise, j'en avais en fait encore là. Ouais, j'en avais une. J'en fais plus qu'une. C'est bon, elle est en train de mettre les produits. Hop. Une petite prise pour le congélateur. Je peux en prendre plusieurs ou pas? Ouais. Bon, je vais en prendre 3. Au cas où. Je sais plus du tout ce que j'ai à mettre. Je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a ça. Et là aussi, il y a le micro-ondes. Que j'ai autre chose à brancher? Je crois pas, non. Du coup, on va voir le prix maintenant. On va savoir si tout est branché, surtout. 213! Ben voilà! La chambre la plus classe du monde est à 213. Dollars et tout est branché, j'ai l'impression. Et est-ce qu'on a des produits? Ouais, on a des produits. Parfait, bah écoutez, on va ouvrir le motel. Et on va essayer de mettre les... On a jusqu'au 9. Elle a nettoyé ça du coup, la personne. Bah ouais, elle a nettoyé tout. Nickel. Comment on l'a fait cette chambre? Je sais pas comment la faire. Si vous avez une idée, dites-moi. On a tout là. On a tout. Et on s'est toujours pas fait choper par les flics. Hein. 1890. Parce qu'on a un tueur en série propre. On ne laisse pas de traces. Je vais manger un bout. Est-ce qu'il y a encore assez de produits là ou pas? Ouais. Oula. Et monsieur, bonjour. 96 heures. Alors ça tombe bien. J'ai la chambre parfaite pour vous. C'est la chambre 8. Vous m'en direz des nouvelles. Great. Great. Ok. J'ai tout bon, hein. Ouais, non, c'est bon.
Ok. Du coup. Tac, tac, tac. Mise à niveau. Test de total qui arrive à 1600. Ouais. Ensuite, gestion personnelle. Embauche. Samy. Employé. Samy. Station essence. Voilà. Du coup. Oh là, il y a du monde. Alors. On va accepter. On va accepter les 24 heures et tout ça. Il n'y a que les 12 heures qu'on va pas accepter. Hop. Tiens. Thanks. Madame. Tenez. Amazing. Mais de rien. Ok, ça vient, ça vient, ça vient. Ah, désolé, j'ai piqué ton job. Excuse-moi. Madame. Madame. Ou madame. Je suis là, madame. Madame. Ah. Alors, tu veux une chambre... Bon, 48 heures. Vas-y, on va te filer celle-là. C'est la moins chère. Thanks a bunch. Attendez, je vous donne la 5, prenez cette chambre, hop. That's amazing. Monsieur, 36 heures, donc ça va être la 2, prenez cette chambre, awesome. Il ne reste que 2 chambres, mesdames, madame, la chambre 4, yes. Thanks. Alors je ferme le motel. Et madame, attendez. Vous allez prendre la chambre 3. Tenez. Amazing. Désolé, on est complet. Et franchement, en 5 minutes, on a pris. Enfin, toutes les chambres sont faites, quoi. Nickel. On a plus de chambres, monsieur. Comme il marche. Really? Voilà. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Là, il nous reste que les chambres d'hôtel, de motel qu'on doit faire. Mais tout le reste, on a tout. Concessionnaire. Ça, je comprends pas. C'est quoi, en fait? À quoi ça sert les camions et tout ça? Si quelqu'un peut me le dire. Et puis voilà. Ok. Ok, bah encore une... Un truc, enfin une... Enfin c'était cool. C'était très cool. Oui, c'est fini madame, j'ai coupé le motel. On a très très bien avancé je trouve. Really. Donc... Donc voilà. Et je vais prendre ça comme faire la vignette, voilà. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.